Oh bonjour, vous aussi, vous n'en pouvez plus d'attendre des musiques d'attente, vous ne supportez plus les quatre saisons de Vivaldi, sans offense, Raphaël et pour ton compatriote. Et donc en fait, ça n'a duré que 30 secondes, donc vous voyez, c'est déjà insupportable, 30 secondes. Donc cette journée a été longue et plein d'enrichissements. Notre sujet, c'est celui de l'intelligence artificielle conversationnelle. Donc on va aborder comment cette intelligence conversationnelle améliore l'expérience utilisateur. Et d'ailleurs, c'est un des rares cas d'application actionnable de l'intelligence artificielle. Alors, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle, notamment l'anthropomorphisme. Aujourd'hui, on n'est pas là pour mentir à l'utilisateur et lui faire croire que c'est un humain qui lui parle, mais bien pour répondre à ses problématiques. J'ai oublié de passer le slide. Pour répondre à ses problématiques. Hop, c'est le vert. Donc aujourd'hui, on est rentré dans un monde de l'immédiateté où on ne supporte plus d'attendre justement, où il nous faut tout immédiatement. Certains diraient même un monde du zapping. Et donc, on le voit, le temps d'attente trop long a un effet terrifiant sur les centres de contact. Si on regarde cette étude, justement, au bout de 2 minutes, 3 minutes, on va perdre 20% des utilisateurs. Au bout de 3 minutes, c'est 50% des effets négatifs sur la CISAT. Et le temps d'attente perçu est rarement le temps d'attente réel. C'est pourquoi on avance aussi dans un monde du self-care, du self-service, où on est tous prêts aujourd'hui à aller chercher son information par soi-même. On est tous prêts à demander à un bot de nous accompagner pour changer une date de livraison, un lieu de livraison, pour suivre un colis ou pour se faire livrer un document, par exemple. L'ensemble de ces solutions, justement, elles vont être amenées à répondre à cette problématique du temps d'attente. Merci, Jean-Denis. En effet, Kimio, qui est un agent virtuel intelligent pour couper ces temps d'attente et permettre aux clients de répondre facilement, rapidement à leurs besoins. En effet, c'est même plus que ça, parce que l'intelligence conversationnelle aujourd'hui permet de faire face aux trois enjeux majeurs de la relation client, qui sont faire de l'expérience client un vrai levier de différenciation qui crée de la fidélisation. Le deuxième, c'est d'attirer et retenir les meilleurs conseillers. Et le troisième, c'est de transformer un centre de contact d'un centre de coût en centre de profit. Et grâce à un bon virtual agent, en effet, c'est possible de mettre en place ce qu'on appelle une total experience strategy, donc d'améliorer la satisfaction des clients, la motivation des conseillers et aussi l'efficacité opérationnelle d'une entreprise. Pourquoi la satisfaction conseiller? Eh bien, parce que grâce à un agent virtuel, surtout par rapport à un SVI classique, c'est possible d'offrir des parcours plus fluides, plus simples, plus personnalisés, avec une disponibilité potentiellement 24/7. Pourquoi la motivation des conseillers? Eh bien, parce que grâce à l'intelligence artificielle, un agent virtuel, c'est possible d'identifier précisément la raison d'un appel. Un agent virtuel peut décider de traiter les tâches plus répétitives et router vers un conseiller les activités qui nécessitent une touche humaine. Et donc, les conseillers peuvent se focaliser vraiment sur les activités à plus forte valeur ajoutée et ils sont aussi sollicités sur des sujets sur lesquels ils sont mieux placés à répondre. Pourquoi l'efficacité opérationnelle des entreprises? Eh bien, on le verra après avec Jean-Denis. Un agent virtuel, l'adoption d'un agent virtuel permet de couper, de réduire fortement les coûts par contact grâce à ses impacts sur les taux de résolution au premier appel, grâce à ses impacts sur les taux de transfert entre agents et la durée moyenne de la conversation. Mais à quoi ça ressemble un bon agent virtuel? Chez Odigo, nous avons défini la recette en 5 points. Le premier, c'est que un agent virtuel efficace est doté d'une véritable intelligence conversationnelle, donc avec la capacité d'identifier, de comprendre finalement les motifs d'un appel exprimé en langage naturel, avec aussi la capacité d'extraire plusieurs informations clés d'une même phrase et même temps, et de s'adapter dynamiquement au contexte d'une conversation, avec une vraie mémoire conversationnelle. Et ça permet vraiment de créer une expérience client qui est plus fluide et plus spontanée.
Deuxième point, c'est une forte intégration avec les solutions du centre de contact. Et ça, c'est un point très important parce que ça permet de créer une véritable synergie entre l'agent virtuel et l'agent humain. Pourquoi ? Parce que, par exemple, lors d'une escalade, ça sera possible de capitaliser sur le travail fait en amont par les bots. Donc, de transférer aux conseillers les informations qui ont été détectées par l'agent virtuel, les contextes de la conversation, l'historique de la conversation, et tout ça permet d'avoir une expérience de bout en bout sans couture. Troisième caractéristique, c'est l'ouverture. Eh bien, un bon agent virtuel doit pouvoir s'intégrer facilement avec des autres technologies d'IA conversationnelle du marché et doit aussi pouvoir s'intégrer facilement avec les ressources de l'organisation, donc les systèmes informatiques de l'organisation, les bases de connaissances, les CRM, les ERP, et ça permet aux bots de pouvoir donner des réponses les plus possibles personnalisées et aussi pertinentes. Quatrième caractéristique, c'est l'omnicanalité, parce que le téléphone reste toujours le canal préféré pour contacter une marque, mais c'est aussi important de garantir une présence intelligente de la marque sur tous les différents canaux digitaux, avec les bots sur les canaux téléphoniques, et sur les applis de messagerie, sur les sites web, qui doivent pouvoir tous accéder aux mêmes ressources, aux mêmes capacités de compréhension du langage naturel. Et ça avec un bénéfice pour les clients, parce qu'ils ont des expériences homogènes sur les différents points de contact avec la marque, et aussi pour les entreprises, parce qu'on ne peut maintenir qu'un cœur de solution. Donc, il y a moins d'efforts d'intégration, moins d'efforts de développement, de maintenance. Cinquième caractéristique de notre recette pour l'agent virtuel efficace, c'est les supports dédiés. Parce qu'un bon agent virtuel, pour être vraiment efficace, doit être conçu et amélioré en continu grâce au support des experts qui peuvent assister dans toutes les démarches de création des parcours conversationnels, dans toutes les démarches pour enrichir et entraîner les moteurs de compréhension du langage naturel. Et donc avec des compétences dans les domaines de l'UX conversationnel et aussi dans les domaines de du machine learning supervisé. Et donc avec ces 5 caractéristiques, on peut vraiment construire des agents virtuels efficaces, scalables, et qui sont capables de gérer des use cases assez complexes et des gros volumes tels que les solutions dont Jean-Denis va nous parler. Voilà. Donc effectivement, le plus simple, c'est de regarder quels sont les bénéfices constatés par nos clients. Donc si on prend un grand compte du secteur public qui agit dans le domaine de la santé et qui est amené à gérer un grand volume d'appels, 20 millions d'appels par an, on voit que, justement, dans son enjeu, qui est un enjeu de préqualification et de routage vers l'agent le plus formé, eh bien, les résultats sont conformes en termes de satisfaction tant chez le collaborateur que chez l'utilisateur. Ce qui nous rappelle d'ailleurs la synergie des attentions, qui est un sujet très intéressant. Ensuite, on a un deuxième bénéfice constaté chez un autre utilisateur. Celui-ci, c'est une grande assurance basée à Niort. Là, le projet, l'enjeu était évidemment aussi une qualification, mais également proposer un service self-care, self-service, pour notamment suivre des remboursements. Là, le résultat qui est très intéressant, c'est qu'on voit une baisse, on constate une baisse de 65% des transferts entre les conseillers. Dernier cas client qu'on vous présente aujourd'hui, c'est celui d'un compte bancaire qui, là aussi, proposait une solution de self-care, self-service, qui va lui permettre, pour un volume aussi assez important, 10 millions d'appels par an, entrant, de proposer de la consultation de compte et la gestion d'opérations. Le gain obtenu est là un temps de qualification qui a chuté de moitié. Donc évidemment, on connaît un peu tous les différents KPI de la relation client. Si on prend cette étude d'IBM, elle nous montre que dans le cadre de clients qui ont déjà déployé des solutions de VoiceBot, qui ont de grands pics de contacts entrants automatisés et des connexions avec les systèmes d'information, eh bien, il y a un certain nombre de KPI qui sont véritablement améliorés. Je reprends ceux qui sont en miroir de ce qu'on vient de vous dire, justement. L'amélioration de la satisfaction client, la satisfaction conseiller, et surtout, moins 18 points sur le coût par contact. Donc, évidemment, vous en doutez bien, Odigo, qui est un éditeur européen de solutions de centre de contact dans le cloud, répond à l'ensemble de ces problématiques. On a d'ailleurs une équipe à votre disposition au premier rang si vous avez des questions. On est fort d'une expertise de plus de 15 ans dans la gestion
du traitement de la voix NLP, Natural Language Processing, la capacité de gérer des très très grands volumes avec des approches fines dans les différents secteurs. Et on est justement en ce moment en train de mener une opération auprès de nos clients. Donc si vous êtes un client et que vous êtes parmi nous, rejoignez-nous pour comprendre comment on peut vous accompagner dans le déploiement d'un voicebot, d'un virtual agent. Et si vous n'êtes pas encore client, je crois qu'on est tout à votre écoute pour aussi analyser vos projets. Je crois qu'il nous reste un peu de temps si vous avez des questions. Est-ce que c'est le cas ? Il suffit de lever la main et puis on comprendra que vous avez une question. Non, absolument pas. Raphaël, un mot de la fin ? Merci de votre attention. À très vite. Merci.